qu'est-ce qui ne va pas en Afrique centrale? Est-ce que l'Afrique centrale serait un canard boiteux? Est-ce que l'Afrique centrale serait le dernier de la classe? D'ailleurs, j'ai envie de répondre par oui, car j'ai trois éléments ici que je vais détailler. Et tu verras avec moi qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas bien en Afrique centrale. Du moins, j'ai envie de dire que l'Afrique centrale est trop infiltrée au point où le simple développement serait très très impossible. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Tristaf Okam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je vais parler de trois éléments qui montrent que l'Afrique centrale serait le canard boiteux, l'Afrique centrale serait le dernier de la classe. L'Afrique centrale est cette région d'Afrique-là, cette partie d'Afrique qui tire le reste en arrière. Bref, c'est cette partie-là que d'ici 30 ans, 50 ans, il n'y aura pas un grand développement. Parce que à cause de ces éléments, à travers ces éléments, tu verras qu'il y a sûrement un problème. Soit l'Afrique centrale est trop infiltrée au point où les décisions sont détournées, si je peux dire ça comme ça, ou bien il y a un autre problème. Soit c'est la population de l'Afrique centrale qui est le problème. Donc c'est ça. Le premier élément ici, c'est concerne le franc CFA. Bon, disons que tous les trois éléments concernent même le franc CFA. Et ici, le premier élément très important, c'est les comptes d'opération. Je ne vais pas faire l'histoire des comptes d'opération, que toi-même tu sais, c'est mauvais pour le développement. Mais ce qui, où est-ce que je devrais attirer ton attention, c'est que même depuis le début, l'Afrique centrale a toujours déposé plus que l'Afrique de l'Ouest. Parce que je fais ici la différence entre le développement de au niveau de la BEAC et au niveau de la BCAO, donc la Banque de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a de cela un an, pourquoi de cela un an, je vais arriver au deuxième point. L'Afrique centrale, pendant que l'Afrique centrale déposait 55% de ses devises dans le compte, dans le trésor français, dans le compte des opérations, l'Afrique de l'Ouest déposait 50%. Pourquoi la différence? Ça, je ne peux pas te l'expliquer, mais à la fin, je vais peut-être te dire mes suppositions, pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà, c'est difficile à expliquer par les mots que pendant que l'Afrique centrale verse 55% ou 60% de ses devises dans le compte d'opération, dans le trésor public français, l'Afrique de l'Ouest ne dépose que 50% de ses réserves dans le compte des opérations. Deuxième élément, l'Afrique de l'Ouest a osé au moins faire le débat sur le nom du franc CFA. Ils ont d'ailleurs l'écho, c'est vrai, l'écho n'a pas abouti, mais n'a pas encore abouti, mais au moins ça fait débat. Ils ont débattu, l'Afrique de l'Ouest, la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest a voulu changer le nom, est en train de changer le nom. Mais en Afrique centrale, il n'y a pas eu débat. Donc il n'y a même pas débat. C'est comme si c'est un non-lieu. Donc il n'y a aucun débat là-dessus. C'est comme si tout était OK. Donc c'est comme si tout était normal. Donc ça, c'était le deuxième point. C'est un peu étrange qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont même en train de vouloir changer le nom parce que déjà le nom rappelle la colonisation. Mais en Afrique centrale, ils utilisent aussi la même monnaie, mais ça ne fait même pas débat. Donc c'est comme si tout était tout roulait sur les rails, quoi. Et pourtant, il y a un problème que nous le savons tous. Ok, le troisième élément, c'est très très important, déjà pour l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est un très grand pas, c'est que depuis un certain temps,
il y a pratiquement un an, l'Afrique de l'Ouest, on a fermé le compte d'opération de la BCAO, donc la Banque des États de l'Afrique. Donc les pays de l'Afrique de l'Ouest ne versent plus 50% de leurs devises dans le trésor français. Donc ils peuvent gérer leur trésor eux-mêmes. Donc l'argent qui est dans leur trésor, disons ce qui est resté dans leur trésor, ce qu'ils ont économisé jusqu'ici, ils ont le libre choix, ils peuvent investir, ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. Donc à eux de choisir où est-ce qu'ils vont injecter cet argent pour que ça soit pour avoir les bénéfices. Je veux dire, où est-ce qu'ils vont prêter cet argent pour que la chose soit rentable, à taux d'intérêt qu'ils auront choisi, sur quel marché peut fructifier leur argent. Donc ils ont le libre choix de leur devise. Donc les 50% là, ils peuvent gérer ça. Ils peuvent gérer ça pour avoir plus de devises et pouvoir faire des échanges sur le marché international. Et en Afrique centrale, ça ne fait pas toujours débat. Donc, pendant qu'on ferme le compte d'opération, le compte d'opération pour la BCAO, en Afrique centrale, c'est comme si c'était un non-lieu. J'ai envie de me demander, est-ce que en Afrique centrale, il serait, quand je dis il, je veux dire tous ces pays qui constituent l'Afrique centrale, tous ceux qui gouvernent la banque, la BEAC, est-ce qu'ils sont en train de planifier un truc plus grand que ça? C'est la question que j'ai envie de me poser. Est-ce qu'ils, au lieu de changer le nom en écho, c'est vrai, dans le nom écho, il y avait quelques petits changements, ce qui n'est pas négligeable, mais un pas déjà. Est-ce que l'Afrique centrale serait en train de vouloir faire, je sais pas, une fois un truc grand, je veux dire, mettre fin en un coup au franc CFA? Mais pourquoi tout se calme au niveau de l'Afrique centrale? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique centrale? C'est la question que je me pose. Et comme je disais d'ailleurs, je vais peut-être introduire et conclure cette vidéo en donnant ma position. Parce que j'ai envie de dire pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest, quand ils déposaient leurs devises, déposaient moins que l'Afrique centrale. Peut-être parce que l'économie en Afrique de l'Ouest serait plus forte que l'économie en Afrique centrale, parce que le développement, l'économie de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest était l'économie là qui a eu un développement, on parlait là de 5 à 7%, ce qui n'est pas négligeable. Peut-être c'est pour cette raison, parce que on peut dire, ce ne sont pas les économies fortes, bon, fortes au niveau d'Afrique, on peut dire que parce que ces économies sont légèrement fortes, qu'ils ont eu cet avantage. Peut-être la deuxième raison, est-ce que je suppose, c'est que est-ce que les populations d'Afrique de l'Ouest sont-ils plus forts que les populations d'Afrique centrale? Est-ce que ces hommes et femmes en Afrique de l'Ouest sont plus créatifs, sont plus audacieux, sont plus investisseurs, sont plus économistes, sont plus osent plus que les peuples d'Afrique centrale? Parce que pour dire vrai, l'économie d'Afrique de l'Ouest, on parle ici d'une mastodonte comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ces trois pays. Et pourtant en Afrique centrale, il y a le Cameroun. Bon, bref, le poumon, c'est le Cameroun. Même comme le Cameroun lui-même, c'est un petit pays. Le Ghana boiteux, c'est malheureusement ce pays-là qui tire les autres. En définitive, la question ici, c'est trouve aussi les solutions. Pose-toi aussi cette question de savoir qu'est-ce qui ne va pas en Afrique centrale. Parce qu'il y a un problème. Pourquoi le débat sur le CFA est un non-lieu en Afrique centrale? Tu as d'ailleurs vu les événements tous ces derniers temps
en Afrique centrale, la République centrafricaine qui adopte le Bitcoin comme une monnaie alternative, comme une deuxième, comme une monnaie nationale, et la banque, la BR refuse d'adopter. Donc tu vois que ces pays qui veulent sortir du système CFA, c'est la BR qui bloque. Déjà, c'est pour cette raison que je dis, est-ce que l'Afrique centrale serait infiltrée au point où même un petit changement serait bloqué? Et d'ailleurs, tu as même vu au Tchad, ils ont voulu marcher à Djamena contre la France. Ça a été étouffé. Tu verras que dans les autres parties, dans certains pays en Afrique, les gens marchent contre la France. Les gens peuvent dire non aux francs CFA. Mais en Afrique centrale, pas de mouvement. C'est un non-lieu. Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.